Bonjour, c'est Émilie. Aujourd'hui, je vous propose une séance de stretching qui sera suivie par la méthode Fan and Christ. Donc, vous serez allongé et vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider. Si vous souhaitez, vous pourrez ensuite enchaîner par une relaxation. Allez, on s'installe, on commence debout. Allez, on commence, on inspire au maximum. On s'étire, on se grandit bien. Allez, grandissez-vous à fond, étirez tout votre corps. Et relâchez doucement sur l'expiration. Inspirez, allez chercher sur le côté. Et étirez bien. Inspirez, allez chercher de l'autre côté. Et étirez-vous à fond, grandissez-vous bien. Et on relâche. J'inspire encore, je m'étire. Je me grandis à fond. Et on relâche. Vous laissez aller le poids du corps sur le côté. Et vous descendez tout simplement. On se replace lentement dans l'axe. Et on descend de l'autre côté. Prenez votre temps. Se replace tranquillement dans l'axe. On étire au niveau du deltoïde et là on va les pousser sur le côté. Je vais chercher le plus loin possible derrière. Et on se replace et on change de bras. Allez, on va chercher le plus loin possible derrière. Se replace tranquillement. On appuie sur une jambe, j'étire le quadriceps. Talon vers la fesse, genou serré et je bascule un petit peu le bassin devant. Je relâche, je place le talon dans le sol, je pousse les fesses en arrière. On va laisser aller le poids du corps en avant. Et on déroule doucement son dos. Étire de l'autre côté. Talon-fesse. Bascule le bassin vers l'avant. Et on va pouvoir relâcher. Je place mon talon dans le sol, je pousse un peu mes fesses en arrière. Et là, je vais chercher loin devant. Et on se redresse tranquillement, on inspire encore, on étire. Grandissez-vous à fond. Relâchez doucement les bras et enroulez tout doucement la colonne. On arrondit le dos, on se laisse aller lentement vers le sol. Je fléchis mes jambes tout doucement. J'arrondis mon dos et je laisse aller le poids du corps. Je déroule d'abord mes jambes. J'essaie de garder mes jambes tendues. J'accroche les mains derrière les genoux. Et là, je vais arrondir le haut du dos. Fléchissez vos jambes. Déroulez lentement votre dos. Inspirez, étirez. Grandissez-vous à fond. Et relâchez doucement les bras sur l'expiration. Déverrouillez vos épaules et relâchez tout. Je vais vous laisser vous installer, vous allonger sur le dos. Accrochez les mains derrière les genoux et déroulez lentement votre dos. Étirez votre nuque. Placez tranquillement vos jambes au sol, les bras le long du corps. Relâchez tout votre corps. Fermez les yeux si vous le souhaitez.
commencer par placer votre corps au scanner. Observez l'appui de vos talons. Est-ce que votre cheville droite est plus ouverte que votre cheville gauche? Est-ce que l'appui est plus prolongé à gauche? Observez l'appui de vos mollets. Observez l'écartement derrière vos genoux, à l'arrière de vos genoux. Observez l'appui de vos cuisses. Observez l'appui de vos deux fessiers. Tels deux coussins moelleux, vos fesses se relâchent. Observez le creux lombaire. Observez l'appui de votre dos. Vos omoplates sont-ils relâchées? Observez l'appui de vos deux bras, relâchés dans le sol. Observez l'appui de votre tête. Vos yeux restent fermés. Et doucement, vous allez lever vos deux bras vers le plafond. Étirez un coup le bras droit, un coup le bras gauche. Allongez au maximum vos épaules. J'étire de plus en plus à droite, de plus en plus à gauche. Comme si vous marchiez avec vos épaules. Agrandissez votre bras, une fois à droite, une fois à gauche, puis enfoncez l'épaule dans le sol. N'hésitez pas à accompagner ce mouvement par la respiration. Étirez à chaque fois, à droite, à gauche. Alternez bien le mouvement. Ajoutez un petit mouvement de rotation. En plus d'étirer la main vers le plafond, je vais pivoter ma main dans un sens, dans l'autre. Allez, continue d'enfoncer l'épaule dans le sol et d'étirer au maximum le bras. Prenez votre temps. Pas de mouvement brusque. Et tout doucement, vous allez relâcher vos bras. Vos bras sont parfaitement détendus. Vous les relâchez complètement. Vous allez basculer votre bassin de droite à gauche. Vous inspirez tranquillement et vous expirez à votre rythme. Vous allez basculer le bassin d'avant en arrière. Votre bassin va s'en rétroversion, en antéversion. Et vous allez dessiner les cercles très longs. Ce qui entraîne bien sûr le reste du corps. Et vous tournez dans l'autre sens. Thank you.
se fermer. Vous allez imaginer un crayon au bout du menton et vous allez faire des cercles lents de la taille d'une orange. Vous allez déplacer ce crayon au bout du nez. Les cercles sont plus petits, de la taille d'une prune. Ces cercles sont plus précis. Vous sentez ce petit massage crânien. Changez de sens de rotation. Vous allez tranquillement déplacer ce crayon entre les deux yeux et vous faites des tout petits cercles de la taille d'une cerise. Votre corps est parfaitement détendu. Prenez quelques instants pour savourer cette détente. Peut-être enchaîner sur une relaxation.